Bonjour à tous, un bon couscous à partager en famille aujourd'hui, couscous de veau et au merguez. Donc pour cela on aura besoin de veau 800 g, des carottes 200 g, de la semoule 800 g et aussi euh, des légumes. D'autres légumes, on verra ensuite ce qu'il faudra. On met un filet d'huile dans notre cube de eau, on rajoute des, euh, des morceaux de veau. Là je vais les faire dorer quelques minutes, suite à ça j'ai rajoute un oignon bien émincé. Dans ma cuve de coquillot, je vais faire revenir le temps que mes, que mes légumes mes oignons deviennent translucides je rajoute mes épices de el hanout, du sel du poivre et du paprika je rajoute après trois cuillères à soupe de tomates concentrées je continue à faire dorer tout cela quelques minutes suite à ça je vais rajouter mes légumes, donc on aura besoin de carottes, de navets, de céleri et de courgettes. Je les fais revenir quelques minutes et je vais rajouter 1200 ml d'eau. En fait, on couvre complètement nos légumes et ainsi que notre viande. On a besoin de bouillon. Dès que mon bouillon commence à bouillir, je le récupère, je mets 3-4 louches dans mon couscoussier. Je rajoute 100 g de, de pois chiches et là je remue bien sûr avant et euh, ça va partir en cuisson sous pression pendant 20 minutes. Et là on passe à la préparation de notre semoule de couscous, notre couscous en fait. Voilà. J'ai mis 3 cuillères à soupe d'huile et là je vais grainer mes grains. et Vous allez voir qu'au fur et à mesure les grains vont gonfler et là euh, ça veut dire que votre couscous est bien abîmé, imbibé d'huile. Un bol de couscous est égal à un bol d'eau. Donc là voilà, je mets de l'eau sur mon couscous et là j'ai Je vais laisser quelques minutes mon couscous bien boire mon eau. Vous allez voir, après, ça durcit, vous voyez Ça a bien durci, donc ça veut dire que ma, mon couscous a bien bu. Donc là, je les graine de nouveau et je vais le mettre dans mon eau du couscoussier. Entre temps, bien sûr, le couscoussier a euh, commencé à l'eau a commencé à bouillir, donc il est bien chaud. Voilà. Je mets mon couscous en même temps, j'ai graines. Au fur et à mesure, s'il y a des petites boules, j'ai graine au fur et à mesure. Et là, je vais tout mettre à l'intérieur de mon couscoussier. Je vais le mettre en va à la vapeur pendant 20 minutes et je vais recommencer exactement la même chose. Mettre de l'eau, égrainer et je remets à, à cuire de nouveau 15 minutes. Et après, j'aurai un couscous parfait. C'était délicieux, je vous recommande. Un couscous au veau, c'est très... Doux et léger. En plus, on a rajouté des merguez qu'on a cuits à la poêle, bien sûr. Bon appétit, à bientôt!